On essaie de développer justement les sorties culturelles. C'est aussi permettre aux personnes de rompre l'isolement et de redécouvrir la culture pour certains et pour d'autres la découvrir. La Galerie du Temps, en fait, sur 3000 mètres carrés, elle montre un concentré des collections du Louvre à Paris. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le regard circule, on se déplace. Et on peut passer d'une statue égyptienne à une peinture anglaise du 19e. En tout cas, dans le souhait du Louvre Lens, c'est de travailler, de continuer à travailler à l'appropriation du musée par ses publics, le développement des publics qui ne viennent pas forcément d'eux-mêmes au musée. Et du coup, voilà, on s'est rejoint avec l'NGDM sur l'objectif de permettre à des personnes de venir au musée en groupe et de mener des actions adaptées à ces personnes également. On est venu avec nos amis aussi qui sont d'origine polonaise. Donc. Et puis on n'habite pas loin, on est là à deux pas. Bon, c'était l'opportunité de venir en groupe, parce que tout seul, des fois, on ne le fait pas. Mais c'est vrai que c'est super, c'est magnifique. 65 ans de mariage bientôt. Il faut le faire, hein. Très beau, très grand en plus. Très beau et très c'est grand. La première fois qu'on vient. C'est la première fois. On avait toujours l'intention de venir, mais on n'a jamais eu le temps. C'est ça le problème d'être retraité, on n'a pas le temps. C'est pire que quand je travaillais. Moi je suis déjà dans un mineur. Moi j'ai connu le puits qui est ici là au bord. Là. Moi j'ai fait ça pour faire plaisir à mon mari. Mon épouse est française, je suis d'origine polonaise. Oui bien sûr, ça me rappelle des souvenirs sympathiques. Ma mère polonaise, qui est née justement sur la carte qu'on a vue en Silésie. D'accord. Voilà, ils sont venus à l'âge de 4-5 ans. Et puis on a continué la culture polonaise, disons. Entre 1840 en fait et 1918, la Pologne n'existe pas. Donc, le roi ici, il est debout avec son manteau marron. C'est lui. Est-ce qu'il attire l'attention? Pas vraiment. C'est pas lui qui attire l'attention dans le tableau. Qui attire l'attention dans le tableau? Il y a deux personnages. Ces deux personnages ici, vous notez qu'ils ne sont pas dans les mêmes couleurs que leurs comparses. C'est exactement ce que l'exposition va aller montrer, avec des tableaux peints au 19e siècle, comment les peintres donnent corps à cette idée de nation polonaise. Non, c'est vrai. Là, c'est exactement le portrait de mon grand-père. Henri de Valois ne parlait pas un mot de polonais. Il supportait pas le climat. Il comprenait pas les coutumes locales. D'ailleurs, les Polonais ne le comprenaient pas non plus. Dès qu'il a appris que son frère était mort et qu'il pouvait faire jouer sa succession au trône de France. Donc il s'est littéralement sauvé. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, il a pris ses affaires, il est parti. Polonais l'ont mal vécu. Hein. Moi, j'aime bien raconter quelques petites anecdotes, voir la petite histoire qui se cache dans la grande histoire. Et c'est ce que j'essaye de faire au long de mes visites, tout en distillant un petit peu d'humour pour montrer que déjà dans le musée, il y a musée et s'amuser, c'est pas forcément antinomique, et que le musée est un endroit plaisant où on peut venir se faire justement plaisir. Tout est intéressant. On apprend toujours des choses. Hein ? Même en vieillissant, c'est agréable. On apprend toujours des choses. On ne connaît jamais tout. Heureusement qu'il est là pour attirer notre attention sur les détails de certaines peintures. Sinon, on passe à côté. C'est certain, les regards, l'orientation et ainsi de suite. Hein. C'est l'interprétation des tableaux, on ne le voit pas forcément. C'est vrai. C'est bon ? Allez, on y va. Voilà. Je vais faire un bon dos. J'ai marqué Alza sur votre sac à main. Je vais me regarder avec un gros sourire. Regardez madame. Je ne savais pas qu'il y avait un patrimoine culturel aussi important. Des tableaux magnifiques. Mais sinon, je connais la
entre guillemets, la bouffe polonaise. Et alors ? On faisait des mariages polonais dans les mines quand j'étais. Les femmes plumaient les oies pour faire des pieds jeunards. Et puis nous, c'était mariage à la brouette. Stolat, stolat, nierjejenam, stolat, nierjejenam, nierjejenam. Ils sont tous partis. Hein. Oui, on vous attend. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci.